à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme d'habitude, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en compagnie de Adrien, que vous avez déjà vu, j'allais dire hier sur ma chaîne, il y a quelques semaines. Mais nous, on a tourné la vidéo du 26 décembre hier, en match play et en scramble. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Regardez la seconde partie où on avait joué avec Jérém, qui est avec nous aussi en scramble. Aujourd'hui, on est sur le golf de Valkevin. On va se faire 9 trous à 3. Et on va faire ce qu'on appelle du foursome. Non, ça s'appelle un shot alterné. Je sais pas si le mot le plus régulier c'est foursome ou shot alterné. On s'en fout. Bref, l'idée ça va être, par exemple, Jérém va faire sa mise en jeu au 1. On va jouer sa balle, il y aura qu'une balle à chaque fois sur le parcours. Le second shot, ça va être Adri qui va le taper. Et enfin, le troisième shot, ça va être moi, et ainsi de suite. On tourne comme ça. On ne sait pas encore qui va faire la mise en jeu du 1. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, si c'est Jérém qui fait la mise en jeu du 1, ce sera Adri qui fera celle du 2, moi du 3, Jérém du 4, Adri du 5, et ainsi de suite. Bref, vous avez compris. Rien de compliqué sur le papier. Départ un petit peu avancé, ça c'est la bonne nouvelle. On se fixe quoi comme objectif, les gars? Plus 3 sur 9. Non, en vrai plus 4, parce qu'en vrai, ouais, plus 4. Vous avez déjà joué en shot alterné ou quoi? Moi j'ai joué une fois. Ok, moi ouais, j'ai fait un shot alterné la dernière fois en équipe avec David, au trou numéro 11. On avait perdu contre la carrière des coups en face. Ouais. Je peux te dire que c'est une galère, mon pote. Enfin bref, ok, plus 4. Ouais, allez, plus 4. Vas-y pour plus 4. Allez, c'est parti. Même le grip du drive. Combien de mètres, frérot? 69. 69? Facile. 69.9. Ouais. T'es assez précis pour jouer au dixième de centimètre? Non. D'accord. Drapeau au milieu du green, elle a pas bien l'air bien compliqué, frérot. Juste un bout de green, et ce sera à Adri de faire le taf derrière. Roule. C'est presque sur le green. tu pourras te chipper hein, si tu veux. Je pense que c'est ce qui va se passer. Putain, elle fait mal au cul celle-ci. Hein. Ouais, dommage. Ouais, je pitch un mètre derrière et elle spin un peu. Ouais, c'est vrai. Tant pis, c'est pas celle-ci qu'on va jouer. Oh, magnifique! Super! Ah, je suis désolé, je peux pas faire. Ouais, super! Il a fait tout un plat, mais. Regardez! On va voir quand on va se taper des doubles bogeys, les gars. Tu vas avoir un sacré second shot. Hein. C'est clair. Combien? 167. Ouais. Faut que tu joues 180. Ouais, mais je... Parce que tu mets quoi, faire 7 ou? Je vais mettre un faire 7, tu vas partir sur la droite, s'il revient, elle se met en fait green, il y aura un chip. S'il revient pas, il sera dans la vie. Et pourquoi pas mettre un faire 6 direct? Je suis pas à l'aise, à froid comme ça là. J'aurais fait du practice, ouais. Kick. Ok, j'aurai un chip. Ah, je croyais que ça allait un peu plus fou les dommages. Ouais, Jérém, t'as ça pour repart. J'aurais pu te mettre plus proche quand même.
mais je me fais un peu surprendre avec la roule, j'ai l'impression, parce que j'ai pas trop mal chippé. Tu vas pas de tout droit, très léger droite-gauche. Très léger gauche-droite. Très léger gauche-droite, ok. Putain que c'était bien pété, frérot, t'as pas à t'en vouloir. Dommage. C'était archi bien pété. Allez, Adri, pour finir. All right. Plus 1, messieurs. Combien ? 155. Avec un vent de face. Ok. Let's go! Solide! Ouais, ça c'est un très bon pas. Je l'ai pas fait, mais il l'a fait. Plus 1, trou numéro 4, ouais. Départ avancé. Celui-là, par contre, il va me titiller, ça me merde. On vient de gagner par rapport au blanc. On vient de gagner pas loin de 90-100 mètres, je pense. La mise en jeu est tout en haut là-bas, dans le trou, juste ici. Et là, on va se la jouer d'ici. Donc on gagne, ouais, on gagne même 100 mètres. Hein. Enfin, ça donne envie d'envoyer drive. Hein. Le problème, c'est gare en limite à droite et à gauche. 275. Bon, en bref, j'y vais jamais quoi. C'est vrai que c'est l'hiver. L'été, ça peut rouler. Mais... Est-ce que je mettrais pas un drive que je joue à gauche avec léger fade, comme ça, ça revient tranquille. Au pire, RS bloqué à gauche, j'ai un shot. Au pire, c'est piqué rouge, mais bon, l'idée, c'est de faire part quoi. Très bien même. 62. Ouais, juste un bout de green là. En allant chercher le drapeau quand même. Ouais. Le drapeau est plein milieu. T'as de l'espace devant, derrière, à gauche, à droite, tu peux aller chercher le mât. Hein. Vol. Ouais, il nous reste un petit chip. Oui, tu décélères complet. Oh, c'est millimétré. Elle passe un peu derrière, mais c'est bon type. Espérer qu'elle ait touché quelque chose. Bon, vous allez peut-être vous demander où on se dirige. Tac, vous allez vite comprendre. On a retrouvé celle de Jérém dans les bois. Tac, elle est juste ici. Et on a soit une fenêtre ici, soit là, mais elle est plus chaude à jouer, étant donné que le green est là-bas. Et c'est à Adri d'y aller. Bon, après 30 secondes de réflexion abrutie, on a décidé de jouer ici.
Il y a beaucoup de branches. Le but, c'est juste d'être de l'autre côté. On voit ce qui se passe derrière, mais... C'est de passer les branches. Ouais, c'est ça. Tu mets de la vitesse, hein, quand même. Il en faut, parce que si ça touche, ça va vite s'arrêter, sinon. Bon, elle est sortie, gros, hein. Alors, c'est une très grosse grade, mais... Tu sais que je serai sur le fairway pour jouer mon chat, hein. Là, t'es nickel. Parfait. 175. Un petit faire 6. On se laisse un petit dans le pire des cas. Alors, si je fais faire 5 et qu'elle est trop longue, je vais retrouver dans le bac derrière, franchement, la faire. Là, faut que tu fasses la faute. Ne tombe pas trop. C'est la canne, hein. La bloque à gauche, quoi. Si on fait, on lave en place ou pas? Ouais, on lave en place, ouais. C'est un peu gras. Ouais, ça là-bas. Pas mal fait. C'est pas mal réalisé. Sache que c'est encore décéléré. Ouais, hein. C'est pas mal fait. Tu le sens? Ouais, je le sens à chaque fois. C'est vaut mieux mettre un petit coup. Je sais pas comment dire. Tu peux même la chipper si tu veux, tant que tu mets de la vitesse derrière. T'es pas obligé de monter comme un porc. Genre un shot comme ça, tu peux l'essayer. Hein. Juste pour te montrer, je pense que tu peux faire un truc juste ça. Quand t'es pas décéléré, ça y va. Et t'es pas obligé de monter en haut, hein. Tu peux monter. Sur les gras, donc la balle elle s'arrête aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a un bon gauche-droite. Ouais, c'est vrai. Faut lui mettre de la vitesse, non? Ouais, c'est un bon gauche-droite, ouais. Le shaft est des 1942, gros. Ouais. Je m'en souviens, mon grand-père, il avait ça dans les tranchées. Peut-être comme ça. Je la prends intérieure droite. Hein. Oh, je suis à deux doigts d'aller chercher mon pote. Non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Oui, c'est pas là. Ouais, bogey, plus 2. Elle revient avec le vent, gros. Elle revient avec le vent. Elle est en piste. Elle est même quasiment sur le fairway. Putain, c'est une merde. C'est gras. Dommage. Allez, pour part. Perfect. C'est bien quand même, les gars. Pour deux. Toujours deux. Bien sûr, et faire un maximum de route. Hein. Je vais jouer les maisons en face, devant et de gauche à droite. Je fais du fade. C'est quoi, c'est normalement, elle revient en fade et elle passe derrière. Quoi. Normalement. De toute façon, là, faut t'aligner un peu à gauche pour la laisser revenir, comme ça, ça craint pas. T'as le vent qui porte et qui est très léger gauche-droite, donc je l'avais un tout petit peu contre. Tu vois, tu vises le bac de gauche, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le sac là-bas, là. C'est un sac qui est au fond, hein? Ouais, c'est une mamie surtout, mais. Non, mais encore à gauche. Ah. Bah, quoi, c'est un sac quand même. Allez, un bon contact. Hein. Regarde ton niveau, frère. Elle va rouler.
vol, vol. Ouf. Ah bon, elle est passée de l'autre côté du bac. Nickel. Française. Ouah, je vais avoir un chim, mon pote. Ça me pète les murs. Un avantage, c'est que je vois hyper bien la pente. Ah ouais. Du fait d'être à hauteur. Ouais, c'est que sur le contact là. Ah, gros. Ok. Bien joué. J'étais vraiment pas sûr. On s'est raté. On s'est raté. 124. Ouais, avec la descente. 129. Ok. Je deviens tout ce que t'as. Ok, il reste un chip. C'est bien parce que comme c'est filmé encore, tu vas avoir ton chemin de club, gros. Ta balle, tu l'envoies dans les maisons à gauche. Tu fais une boucle. Hello tout le monde. Alors, je fais une toute petite parenthèse à cette vidéo, tout simplement pour montrer quelques points à Jerem sur lesquels il doit travailler. Alors, je tiens de suite à le préciser, je n'ai aucunement la prétention de dire que je connais tout sur tout au golf. Loin de là d'ailleurs. Par contre, les petits détails que je vois dans le swing de Jerem, je vais essayer de les préciser pour qu'il puisse travailler dessus. Alors, dans un premier temps, on a un stance qui est fermé, c'est-à-dire que on le voit à ses pieds. Ses pieds sont alignés 6 à 7 mètres à droite du drapeau. Le problème, ce sont aussi les épaules. Les épaules qui, elles, à l'inverse, sont alignés une dizaine de mètres à gauche du drapeau. Donc le problème d'avoir un stance fermé et d'avoir des épaules alignées à gauche, ça va être sur son backswing. Son backswing va être très extérieur, très vertical. On voit que son backswing suit l'alignement de ses épaules, c'est-à-dire à gauche. Et en plus, sa descente va être d'autant plus extérieure. Ce que je dis extérieur, c'est-à-dire qu'il va faire un par-dessus pour revenir à l'intérieur. Résultat, ça va faire des balles qui sortent à gauche et qui sont hyper méga cut, c'est-à-dire qu'ils vont revenir en fade. Avec un fer 9, ça va, avec un fer 6, un fer 5, un fer 4, ça pardonne pas. Donc étape 1, ouvrir un petit peu le stance, réaligner ses fameuses épaules. Étape 2, naturellement déjà on trouvera un peu moins de verticalité à son swing, et même on essaiera de corriger ça au fur et à mesure pour passer d'un extérieur intérieur à un intérieur extérieur. Allez Adric. Ah, ça me plaît bien ça. Ouais, excellent. C'est bien. Ouais. Allez, bien joué les gars. Toujours plus 3. Là, l'idée c'est... L'arbre en face, ça va ? C'est... ouais, même légèrement à droite de l'arbre en face. Le trou en fait entre les arbres de droite et l'arbre de face, en face. Si elle sort à gauche, c'est pas dramatique. Si elle sort à droite, vu combien on a gagné de mètres, ça devrait aller. Provisoire. Ok. Parfait. Bon, ça, on s'en sort vraiment bien. Alors, on est sur le compact. Mais au moins, on a la balle. Thank you.
Celle-là. Bien joué. Peut-être là le birdie. Bon, il y a un petit putt hein, quand même. Il est pas fait, mais bon, ça va. Il en manque un chouille. Reculer la balle quand même une dizaine de centimètres parce que le téléphone la touche et la bloque un tout petit peu. Bien joué messieurs. 3. Plus 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like et un petit commentaire. Et nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.